Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de la série « Comment booster vos revenus d'affiliation grâce au copywriting ». Dans les deux vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment faire pour utiliser le copywriting afin de vendre mieux et plus de produits en affiliation. Maintenant, nous allons voir comment vous pouvez créer de la valeur ajoutée autour d'un produit qui n'est pas à vous. Comment vous démarquer de vos concurrents directs, à savoir les autres affiliés. Et enfin, 5 types de cadeaux à associer avec le produit que vous vendez. C'est parti. Première chose, vous pouvez créer une courte vidéo qui montre comment fonctionne le produit. Alors, cette technique fonctionne bien entendu avec tous les produits techniques comme les logiciels ou les scripts, mais aussi des produits physiques comme les meubles par exemple. Faites une vidéo qui montre comment vous vous en servez en direct. Et vous pouvez ainsi faire gagner des heures aux futurs clients du produit recommandé. Si vous rajoutez en plus des trucs et astuces que vous avez trouvé vous-même et que vous racontez en vidéo comment vos clients peuvent s'y prendre, alors le produit final aura encore plus de valeur aux yeux de vos futurs clients. Voici pour vous une astuce supplémentaire. Il s'agit d'utiliser la vidéo de démonstration dans le cadre d'un partenariat avec le vendeur du produit. Si votre vidéo est de qualité et aide réellement les clients, alors vous pouvez contacter le vendeur du produit que vous recommandez pour lui dire que vous acceptez de mettre votre vidéo à la disposition de tous les clients du produit contre par exemple 1 ou 2 euros par vente supplémentaire. Le montant de la rétribution est bien entendu à négocier en direct avec le vendeur. Ensuite, vous pouvez faire une vidéo qui montre les applications du produit. Ça, c'est surtout pour les produits qui ne nécessitent pas de démonstration. Les fleurs, par exemple, ou même les voyages, les assurances, les vêtements, l'hébergement de sites web, les produits immobiliers, etc. L'objectif est de trouver soit des applications liées directement au produit, soit des applications liées à une activité annexe. Alors, pour que vous compreniez bien, par exemple, si vous êtes affilié à un marchand de fleurs, vous pouvez concocter quelques vidéos où vous montrez comment faire quelques compositions florales très rapidement ou alors comment empaqueter un bouquet de fleurs comme les pros. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous filmer vous-même. Vous pouvez aller voir un fleuriste de votre ville et lui demander si vous pouvez filmer ses mains pendant qu'il travaille en échange d'un lien sur internet vers le site de son magasin. Pas besoin de faire un montage compliqué, l'important c'est que ce soit proprement filmé. Ce genre d'astuce est valable pour beaucoup de produits. Si vous vendez de la vaisselle, jetable ou non, en affiliation, alors filmez des présentations sympas de table. Si vous vendez du voyage, alors choisissez une destination que vous connaissez et créez des randos vidéo. Si vous vendez un livre pour apprendre la couture, filmez-vous en train de réaliser un ouvrage. Vous voyez, il n'y a aucune limite à votre imagination. Enfin, voici une autre application de la vidéo valable surtout pour tous les produits qui vendent de l'information au format numérique, tels que les e-books, les vidéos, les formations, coaching, DVD, CD-ROM, logiciels, solutions audio, etc. L'objectif ici est de créer un autre livre ou un autre logiciel qui prolonge en quelque sorte l'action du produit principal. Voici quelques exemples. Si vous faites la promo d'un livre ou d'une formation qui explique comment monter un blog, vous pouvez tout à fait écrire un livre qui rassemble les différents moyens de se faire connaître avec son nouveau blog ainsi monté. Si vous faites la promo d'un livre ou d'une solution audio pour mieux dormir, vous pouvez écrire un petit livre qui donne une trentaine d'astuces pour ne plus jamais être fatigué ou pour gérer le stress qui engendre fatigue et insomnie. Notez qu'ici, ça peut être aussi une vidéo supplémentaire que vous remettez au lieu d'un livre. Voici une astuce pour aller encore plus loin. Si vous avez créé un produit, sachez que vous pouvez le monétiser sans perdre trop de temps, juste en l'associant avec un produit équivalent à vendre en affiliation. C'est-à-dire que lorsqu'un de vos contacts achète le produit d'affiliation que vous lui recommandez, vous lui livrez également votre produit qui complète le produit d'affiliation remis. Quand on y réfléchit, c'est très astucieux car ça vous fait gagner un temps fou sur toute la partie marketing. En effet, comme il s'agit d'un produit complémentaire, il est livré uniquement lors de la vente d'un autre produit en affiliation. Donc pas de lettre de vente à rédiger et pas de prix à fixer. Dans cette nouvelle partie, nous allons voir comment vous pouvez mettre votre propre expérience sous format livre PDF ou vidéo.
L'objectif est de montrer comment vous vous en êtes sorti avec les soucis d'utilisation que vous avez rencontrés lors de la phase de test du produit que vous recommandez. Vous pouvez aussi donner quelques raccourcis, rajouter un support ou un manuel supplémentaire. Imaginez un carnet de bord ou un mode d'emploi spécial, un peu comme la rubrique que l'on trouve parfois dans les manuels des appareils électroménagers « Que faire en cas de panne ?». Ça, c'est un style de cadeau qui fonctionne avec pratiquement tous les produits. Pour finir, voici comment créer un produit qui rassemble des centaines de ressources à propos du produit d'affiliation que vous recommandez. Il s'agit de répertorier tous les sites internet et toutes les adresses physiques en rapport avec le produit vendu, dans une thématique approchante bien entendu. Si vous vendez des fleurs, cherchez à rassembler les sites internet qui proposent des informations sur tout ce qui touche aux fleurs. Entretien des différentes sortes de fleurs, roses, orchidées, pour les plus populaires, etc. Ou alors des sites de composition florale ou tout ce qui touche à l'horticulture. Si vous vendez des logiciels, pensez aux différentes ressources. Si vous vendez des voyages, sachez que les sites informatifs sur le sujet sont légion. Pensez également aux blogs et aux forums qui rassemblent d'autres voyageurs. En gros, vous pouvez créer une sorte de guide qui rassemble des milliers d'astuces qui viendront compléter à merveille le produit que vous recommandez déjà à vos lecteurs. Pour terminer, sachez qu'une micro-présentation type PowerPoint avec votre voix par-dessus suffit largement à créer un produit complémentaire de grande qualité. Voilà, cette série de vidéos est maintenant terminée. Si vous respectez ces étapes qui vous ont été décrites, l'affiliation ne sera plus pour vous une activité qui ne sert à rien. Elle deviendra plutôt une activité rentable que vous pourrez dupliquer avec d'autres produits. Tentez l'expérience, vous ne serez pas déçus. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager ces vidéos avec vos amis qui pourraient être intéressés par le sujet de l'affiliation. Je suis certain que vous avez dans votre entourage de nombreuses personnes qui, comme vous, aimeraient booster leur revenu d'affiliation mais qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Ils ignorent encore tout de ce que le copywriting peut faire pour les aider, alors dépêchez-vous de leur en faire profiter. Alors pour inviter vos amis, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus de cette vidéo et d'indiquer les prénoms et les adresses email des personnes à qui vous souhaitez offrir ces vidéos. Ces personnes recevront alors de votre part un email à votre nom leur indiquant que vous leur offrez ce cadeau. Vous pouvez le faire dès à présent si vous le voulez, allez-y. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.